Yahoo Dibancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et donc on est sur le colis que m'a envoyé une abonnée pour mon anniversaire. Donc j'ai hâte de découvrir tout ça. J'ai juste prédécoupé pour que ce soit plus simple, tout simplement. Et on va découvrir ensemble ce que j'ai reçu. Donc il y avait deux colis, il y en avait un comme ça. Et puis après il y en avait un autre un peu plus gros. Mais je sais pas pourquoi. Voilà, je pense que ça c'est tout ce qui est AliExpress et tout ça. Je pense que ils n'ont pas fusionné les colis ensemble. D'accord, je vois ce que c'est. Bon, en même temps, hein, je vois ce que c'est carrément écrit. Vlog Selfie Mirror. Donc j'avais déjà vu ça effectivement passer. Ce sont des petits miroirs. Je sais pas si on verra. Tu vois, c'est un petit miroir. En plus, tu as vu, c'est bien protégé. Là, il y avait... C'est un petit miroir en fait que tu peux... Où est mon téléphone? Là. Que tu peux mettre en fait sur ton téléphone genre ici, et comme ça tu vois quand tu fais, quand tu te prends en photo, tu vois, mais en ayant retourné, tu peux voir du coup ce que voit à peu près l'appareil photo. Donc ça c'est plutôt sympa, vraiment cool. Attends, il y a un petit papier. C'est trop bien avec la petite boîte et tout là. Alors attends, comment elle s'ouvre? Oh, ok. Donc là, on voit bien qu'il y a le petit truc pour le coller au téléphone. Et donc, c'est vraiment un miroir. Alors là, je pense pas qu'on verra très très bien que c'est un miroir, mais alors, je suis sous l'emballage plastique, mais non, en vrai, il fait le job. Agréablement surpris. Ah, il y a même un film plastique, donc je pense... Attends. Ouais, il y a un film plastique par-dessus pour protéger le miroir. Ok. Je trouve ça super, surtout que ça a été envoyé comme ça pour être bien protégé. Ça ne pouvait pas être cassé. Incroyable. Donc, je lui demanderai si je peux avoir le lien de ça, justement, pour vous le partager, si ça peut vous intéresser, quand même. Donc, je pense que tu mets miroir, vlog, selfie, miroir, sur tout ce qui est AliExpress et tout ça, ça doit se trouver. Alors, j'ai juste vu un truc... Je pense que pour ceux qui me connaissent, vous... Elle est pas mal du tout. Wow. Bon, c'est dommage, il y a un petit truc au niveau du fil, au niveau de la tête, qui fait un petit truc bizarre. Mais elle est stylée. En vrai, elle est stylée. C'est donc Mewtwo, qui est mon Pokémon préféré numéro 1. Et mon légendaire préféré aussi. Voilà, et je l'ai même fait en cosplay à une époque. Et j'avais pas de... Je crois que je l'avais version chibi, un petit truc comme ça, mais je l'avais pas en grande version comme ça. Parce que ma main fait 15 cm. Donc on va dire déjà s'il est... Enfin, les pieds, machin, hop. Donc, il doit faire dans les 30... Oh non, pas 30 du coup, 15 et 15. À part si on compte la patte. Si on compte la patte droite comme ça, il fait 30 cm. Incroyable. Est-ce qu'on peut te mettre là? Non, la tête passe pas, mince. Je voulais la mettre là, mais en fait, la tête passe pas. Zut de zut. Et si j'arrive à te... Je ne donne pas cher du résultat, hein, sur le long terme, mais en attendant, tu vas rester là. C'est mou, donc c'est encore une peluche. Alors moi, je vois ça. Mais je pense que tu peux déjà trouver. C'est une peluche porte-clés bubble tea ananas. Attention, on me connaît bien. L'ananas étant mon fruit préféré. Si je ne prends pas d'ananas au petit déjeuner et le soir en dessert, je suis malheureux. Ou il me manque quelque chose. J'ai l'impression que ma journée, par exemple, va être loupée ou que ma... il y a un truc. Après, là, j'ai un peu peur au niveau de la petite attache sur le long terme. Par exemple, si je l'accrochais, par exemple, à mon sac à dos, parce que je suis en train de penser à l'accrocher à mon sac à dos. Mais. Voilà. Donc, j'ai senti qu'il y avait autre chose. Effectivement, il est encore lourd.
Alors je pense qu'il n'y a qu'un seul truc. Pardon, vous voyez pas, mais je vois que ça, donc pour l'instant je reste perplexe et je suis en train d'essayer de lire ce qui est écrit. Je sais pas si vous vous souvenez, dans mon appartement, j'ai mis un tissu sur un des grands murs qui est derrière mon canapé lit avec une déco d'automne, et après j'en ai acheté une autre avec une déco de Noël. C'est la même chose, je suppose, en version bambou. Et effectivement, dans la vidéo, j'ai dit les dimensions. C'est flippant des fois, ce genre de choses. Ça fait 2m30 sur 1m50. Voilà. Ah oui, leur fameux petit détail là, que j'ai jamais compris à quoi ça servait. Wow, il a l'air stylé. Ouais, vous n'aurez pas assez de recul pour voir vraiment ce que ça peut. Même moi, déjà, j'ai pas assez de recul non plus. Hein. Voilà, en fait. Je sais pas comment vous montrer ça. Voilà, c'est une grande image en fait de bambou, d'une forêt de bambou lumineuse, et à mettre sur mon mur justement. J'étais en train de me dire qu'il fallait que je commande parce qu'on est quand même le jour où je filme. Alors, précision, le jour où je filme, nous sommes le dimanche 23, et j'avais demandé à l'abonné si je pouvais ouvrir ou pas le colis parce que je voulais vous le poster assez proche au niveau de ma date d'anniversaire, et étant donné que le lundi ou quoi, le jour de mon anniversaire même, je serai sur Bordeaux et tout ça, je voulais le filmer un petit peu en avance. Et elle m'avait autorisé parce qu'elle m'avait dit qu'il y avait un truc qui était important. Je pense que c'était ça. Voilà. Donc, très très bon petit colis hein, qui me fait extrêmement plaisir. De peluche. On voit que l'abonné me connaît bien parce que quand même ça, fallait le faire. Parce que ça aurait pu être un bubble tea normal. Non, c'est un bubble tea ananas. Voilà. Mewtwo, ça reste quand même mon Pokémon préféré. Le tissu, j'avais dit, j'en rachèterai un. Je sais même pas si j'avais pas dit dans une vidéo que je voulais en acheter un avec des bambous. Pour vous dire. Voilà. Et le petit miroir, ce sera parfait justement pour tout ce qui est YouTube et autres. Donc vraiment, merci à toi pour ce colis. Ça me fait extrêmement plaisir et je pense que ça s'est vu, ça m'a touchée. Cette vidéo est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire quel est l'objet que toi tu préfères. Je te retrouve dans bientôt pour une nouvelle aventure. Je te retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et sûrement d'autres vidéos ouvertes de colis d'anniversaire. Je suppose il y a certaines personnes à qui je pense. Donc voilà. Précédente vidéo ici. Je te mets ici potentiellement la vidéo de l'an dernier d'un colis d'abonnés. Enfin, le dernier colis d'abonnés reçu. Et sur ce, à bientôt.